Et rebonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se fait accoster par un mec avec des lunettes de soleil, il me fait penser au mec de FF15. D'ailleurs, il y a FF15, j'ai vu que c'était gratuit, mais je crois que c'est juste la 4K qui est gratuite. Gratuite, pardon. Oui, monde, et mes affaires, donc lui c'est le mec des renseignements, ok. C'est celui qui va nous donner des quêtes. Il va dire, ah, elle a besoin d'aller tuer trois poules. Sur. T'as choisi. Au tout début, est-ce que t'as choisi le World Chaos? Le monde chaos. Au tout début. Oui, oui, j'ai choisi. Ouais, et ben le serveur Cerberus, tu peux pas y aller, mais il y a un serveur qui donne des boosts, des quêtes en plus. Là. Il y a un petit truc jaune à côté. Non, c'est écrit en haut à droite le monde dans lequel tu es. Ah, en haut à droite, c'est écrit? Ouais, je suis dans chaos. C'est juste qu'il faut que je choisisse un monde là. Bah, redis. Malik, je crois que t'as pris Omega, c'est ça? Non, je sais pas ce que j'ai pris. Attends, où est-ce que je peux. Attends, j'ai le tuto à faire, mec. Ah oh, putain. Jeu, souris et clavier. Oui, je sais me déplacer. R, ok. La souris, le machin. Les guides, ok. Consulter. Non, mais non, je m'en fous des guides. Je vais pas les consulter. Ferme-moi cette page internet. Attends, je vais te dire, Opis, excuse-moi. J'en ai pour 2 secondes. Il est sur Omega, oui, ça. Ouais, c'est écrit Omega en haut. Bah, ça y est, c'est affiché. Écrit en haut à droite. Mais tout à l'heure, c'était pas, mec. Il y avait juste la map. C'était l'enfer du truc. Se tourner. Tac, caméra. Tac, c'est moi. Ok, on va. Ça va être bien. Et R, c'est quoi? Ah, R, c'est marcher. Et pour courir en automatique, c'est Shift, j'imagine. Faut que je t'écoute, ok. Courir automatique, c'est la molette de ta souris. Ok. Ok, R, c'est marcher. Ah non, R aussi, c'est courir automatique. Je sais pas. Lancer une quête. Les personnages proposant des quêtes sont facilement reconnaissables grâce à l'icône en forme de point d'exclamation. Ok. On va lancer la quête, hein. Ça va être bien. Oui, mais on a quelque chose à vous dire. Acceptez la tâche. Ah, à chaque tâche, à chaque quête, ça va être ça, ok. Chemin pas du coin, blablabla. Première chose à faire, c'est d'être enregistré à la guilde des aventuriers en parlant avec Momodi. Est-ce qu'après je vais les tuer des sangliers ou des loups? Dis-moi que c'est ma première quête, s'il te plaît, Shumi. Bah bien sûr, sinon yes. C'est pas RPG. Yes. On va aller tuer des sangliers et des loups. Ouais, je vais commencer ma première quête. Wouhou. Ah bien, parler à Momodi des sables mouvants. On va voir ce qu'elle est. Je sais pas du tout comment on se repère à la carte. Tac. J'aime pas trop. Attends, faut que je. Ouais, ok. Sans être aussi gros, la caméra, je pense que comme ça, ça devrait être bien. Papasou, machin. Là, ça nous donne une liste d'objectifs apparemment en droite. Celle-ci vous permet de voir les titres des quêtes. Ok. Où est-ce que moi je suis? Est-ce qu'on peut zoomer? Toi, t'as le petit point bleu juste. Leurs cartes sont. Faut que j'agrandisse. Ah voilà. Moi je suis ce point bleu de ses morts. Ok, donc c'est de l'autre côté. C'est par là-bas. Hop. Ouah, j'ai du mal à. C'est compliqué. Juste que. En fait, c'est super fluide, mais c'est bizarre quand même. Vas-y, go. On va parler à elle. Je peux pas m'asseoir là. Ah voilà, je suis debout sur le. Vas-y, Osef. Là, vous remplissez tous les. Une récompense. Allez, on a récupéré la récompense, la première récompense. Et du coup, on va jouer. Élémentaliste. Ah, okay, tu joues. Mec, tu vas être un healer. Tu vas avoir ta licorne, c'est ça? C'est ce que tu voulais avoir, Oplis. Au niveau 30. Ta licorne. Non, c'est même pas pour la licorne. Ouais, ouais. J'adore le. Ah, non, excuse-moi, tu disais, t'adores? J'adore jouer heal. D'accord, ok. Bah, ça se voit, sur Battle Ride, tu joues Rook et Iva, franchement, c'est des gros healers, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, en plus, sur LoL, tu joues non, quoi? Non, tu joues des. Je joue souvent heal. D'accord, ouais, moi j'avoue que je joue souvent mage sur les MMO. Ah, mais ouais. Takaïsa, bot, en plus, sur LoL, à ce qu'il paraît, elle est vraiment pas mal. On va parler d'une Kaïsa full AP, c'était pas mal. J'adore jouer à DC sur LoL.
Et bizarrement, sur les MOBA, je préfère jouer... Bah sur LoL, en tout cas, je préférerais jouer des gros tanks. Mais sur Battlerite, c'est différent. C'est différent, c'est différent. Tu peux demander à Shumi, mon niveau sur LoL, il était comment? Attends, Shumi, faut que tu nous dises... Ah, il est parti. Joker. Joker. Il veut pas m'insulter tout de suite. Shumi, hein. Tu joues quoi? Sur LoL, je jouais... Je jouais partout, en fait. Il jouait... Sauf la jungle. Tu jouais mid, mec? Tu jouais Veigar? Tu jouais... Putain, tu jouais quoi, déjà? Veigar, Ziggs, Zilean mid, Zilean, ça marche, le tonnerre de Mec, c'était un joueur de Zilean, mais genre, il était en 21-0, hein, ou 21-2, parce que il avait pas d'ulti, des fois, mais c'est tout. Mais il défonçait des gens, c'était trop drôle. Après, c'est au top, j'ai joué... J'ai eu une période Darius, mais je l'ai vite arrêté. On se demande pourquoi. Il rageait trop. Tu m'as pas connu quand je jouais Poppy et c'était l'ancienne Poppy. Hein. T'as pas compris, mais c'est pas grave, t'inquiète. Je t'enverrai la blague en MP. Poppy, ah oui, d'accord, oui, Poppy, si, je... si c'est bon, t'as compris. Et Poppy, ouais, d'accord, ok. À l'origine, j'ai joué Poppy, mais avant qu'il la refonte, c'est tellement bien. Déjà que t'étais le seul joueur de Poppy avant la refonte. T'étais terriblement fort, ouais, c'est vrai. J'étais un incompris. Et moi, j'ai rien lu. J'ai rien lu. Ouais, au top, c'est vraiment Clay Trundle, mid, c'est Veigar, Ziggs, Zilean. Orianna, j'aime bien, mais je suis pas, j'ai du mal avec, mine de rien. Support, c'est Lulu, Nami, Thresh. Après, tu joues plus du tout à LoL, Shumi, ici? Ou tu fais des games de temps en temps? Une fois de temps en temps, mais c'est une Aram ou parce qu'il y a la URF, parce que je tombe dessus, parce que je relance le jeu, concrètement. Ok. Wap, il y a un mec qui s'est pris. What the fuck? Le plus grand méchant de l'univers. Collecteur de dettes. Ok, pardon, excusez-moi. Vas-y, continue, Shumi. ADC, c'était Tristana, Jinx, Caitlyn, MF et Jhin. Et jungle ouest et Vi. Parce que, pff, voilà. Ta vie, elle était cool. J'ai Jhin, MF, je trouve les trois de mes préférences pour Jhin. ADC, moi j'aimais bien Kalista, je puais ses grands morts, j'ai fait rager des gens dessus. Vayne, est-ce que tu te rappelles ma Kalista de ma Vayne quand j'étais en mode « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer !» Les mecs, pires games. J'ai des roulades in alors que les mecs nous fonçaient dessus. Mais mec, j'étais en mode positionnement dégueulasse, c'était magnifique. Mais j'ai jamais su me positionner hein, dans les mobs. C'est pour ça que je jouais des gros tanks, des Renekton aussi. Après j'ai commencé à jouer avec des gros tanks, forcément. Mais pour moi, un fight ça se vit de l'intérieur, tu vois, pas de l'extérieur. Oui, sauf quand t'es à distance. Oui, bah... Tu tapes à distance. Tu tapes à distance, à ce qui paraît, plus t'es proche de l'ennemi, plus tu fais mal. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris que ça marchait. Oh putain, c'était de bons moments, quand même. Juste envie de m'insulter tout le temps, mais c'était de bons moments. Moi, j'ai rien lu de ce qu'elle m'a dit, mais ça avait l'air pas intéressant du tout, ça m'a saoulé. Y a trop de dialogue. Oh, ouais, c'est le cas du début, c'est chiant. Ouais, c'est genre... ouais, ok. Les éternites, machin... En vrai, je lis pas, hein, ça me saoule. La vie de moi. Alors, sur ce genre, quand c'est comme ça, c'est une cinématique, tu peux faire échappe, passer les cinématiques, c'est plus rapide. Allez, c'est bon. Mais Planète, il a vraiment envie que je joue à Final Fantasy IX, en fait, c'est pour ça qu'il dit ça. Il dit ça dans le chat. T'inquiète pas, Planète, on va faire. Moi, on va faire j'attends toujours sa réponse de pourquoi FF14 c'est pas un vrai FF. Parce que c'est... Les vrais FF, c'est des RPG, tu vois, c'est pas des MMORPG. C'est la différence, je pense. En vrai, pour moi, c'est... Pour moi, C'est encore quelqu'un qui compte l'évolution d'un jeu. Mais non, mais... Shumi, le prends pas comme ça. Commence pas à 1, d'accord ? YouTube te regarde, le stream te regarde. Mais, sache que... Moi, je suis d'accord sur le fait que les Final Fantasy, à la base, c'était des RPG. Je suis très content qu'ils arrivent à évoluer, et en plus que ça marche pour eux. Mais, en vrai, j'avoue que... Tu vois, moi, ce genre de MMO, ça m'attire pas tant que ça. Par contre, je sais pas où je dois aller. S'harmoniser avec l'éthérite de la cité, c'est où, ça? Donc, en gros, ma quête, elle est représentée par quoi? Vu que j'ai rien. Tu vois, là où il y a écrit... où il y a un symbole sur la carte. Ouais, ok, c'est Uda, faubourg de... Voilà, let's tu go. Dois aller là. Let's go, let's go, let's go. Y'a pas moyen qu'on
T'es tellement zoomé sur ton personnage que tu vois pas ce qui se passe. C'est trop drôle. Ouais, mais en fait, c'est juste que dézoomé, j'ai du mal à contrôler le perso, tu sais, genre, je sais pas. Ça fait longtemps. Pourtant, je joue à Battle Raid, c'est les mêmes contrôles, mais je sais pas. C'est très bizarre. Je sais pas ce que je tourne, je sais pas où je vais, mais c'est pas par là en fait. C'est par là-bas, c'est dans l'autre sens. Quel débile. En fait, faut que je me contrôle comme ça. C'est juste que je contrôle avec ZUSD et en même temps le clic droit de la souris. Alors que non, en vrai, tu contrôles qu'avec le clic droit de la souris, qu'avec ZUSD. C'est. NP. Est-ce que t'es vers moi ou pas, Shumi, encore? Que je sache. Ah oui, depuis tout à l'heure. T'es là? Ah putain! Je l'ai pas vu! Ah putain! Ah d'accord, tu me regardes de haut en fait. Ah bon, en même temps, t'es tellement petit. Donc regarde, déjà, il y a un truc qui est très drôle. Tourne ta caméra histoire que. De bien regarder. Ouais, vas-y, je suis de dos à toi. Tu veux que je te regarde comment? En face, là, face to face? Ouais, vas-y, face to face. Vas-y, je te regarde, là, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Et tourne un peu la caméra, histoire de voir de côté. Ah, la caméra, putain, oui. Ok, donc oui, là, ça... Putain, attends. Je vire ces trucs, ok. Donc, ouais. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, c'est très drôle, ça. Ça, c'est vraiment... Franchement, ça, c'est... Et en plus, il prend sa pause. Il prend sa meilleure pause. Voilà. Attends, non, c'est celle-là la meilleure. En tout cas, par contre, il est méga stylé ton perso. Tu joues quoi du coup? Tu comme classe? Un mage? Maître Ast. Ah, c'est les lanciers là? Ok, ok. Et bah, donc après, le truc que je voulais te montrer en fait, c'est pas ça, c'est ça. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je te fais un câlin. Oh putain. Il me fait des câlins. C'est très fin. Voilà, c'est du bon humour. En tout cas, ton phoque est magnifique. Il est très très beau, très très mignon. Juste envie de lui marcher dessus, tu vois, c'est tout. Mais je peux pas. Regarde. Hop là. Arrête ou je mets une mascotte qui fait ta taille. Vas-y. Attends, viens, go duel. Mais explose-moi en deux, juste pour voir les compétences. Est-ce qu'on peut duel? Non, on peut pas. Non, on peut pas duel. C'est pas... Et par contre, je clique sur toi, j'ai ton niveau, niveau 73. Ah d'accord, tu cliques sur les gens, t'as leur niveau, niveau 4, niveau 7. Moi, je suis quel niveau? Je sais pas où s'écrit mon niveau. Niveau 1. Ok, GG, allez. À ton avis. Non, mais je sais pas, mec. Moi, je vois des trucs. Pourquoi est-ce que lui, il a un truc à me dire ou pas? Ah mec, je vais accepter. Là, c'est le problème de ce genre de jeu. Le mec, vous apporte une enveloppe. Ah oui, c'est que tu vas accepter toutes les quêtes. Par contre, là, fais juste les quêtes de début. Ok, d'accord. Avant de te lancer sur... parce que là, en fait, ils vont t'expliquer comment fonctionne la ville. Enfin, okay, n'importe quelle ville. Ouais, bah super, vu que j'ai rien lu, ça va être l'enfer. Tu me suis? Mais si tu veux aller faire d'autres trucs, Shumi, le temps que je fasse ces quêtes, ça va être long, hein, faire ces quêtes de merde. Non? Après, si tu veux rester avec moi, mais pour l'instant, mec, je vais pas vraiment avoir besoin de toi, dans le sens où ça va être... Ah, faut que je m'amenise avec ça. Dans le sens où ça va être des quêtes de mort, hein. Ça va pas être super intéressant pour toi. Ah je sais, moi je suis là pour te suivre, regarder. Ah bah, fais-toi plaisir. Amuse-toi. Ah je me suis harmonisé. C'est beau ça. Et il y a une cinématique encore, là. Bah par contre, les mecs, la cinématique, je viens. Des conseils de Momedy. Ok. Bon, je suis là. Putain mais y a que des petits comme moi par contre. T'arrives de l'harmonisation. Oui, dans cette ville. Dans cette ville, en fait, c'est eux les marchands donc. Ah d'accord. Une centaine de milliers de Gilles. Est-ce qu'il peut aller se faire foutre? Ok, d'accord, très bien. C'est quoi? Non, mais il a fait une blague de merde. Vas-y, ah, ça fait une centaine de milliers de Gilles! Mais putain, mais quel connard. Comment fonctionnent les items? En gros, c'est des points de TP, j'imagine. Toutes les directives. C'est ça, t'en as partout dans la ville. En fait, ça te permet de. D'aller plus vite. Avec. Okay. Rapatriement d'histoire. Ça te permet, en fait. Excuse-moi, finis ta phrase, hey, j'arrête de. J'ai foutu ça, putain. J'arrête de te couper, excuse-moi, vas-y. En fait, au lieu de te déplacer dans la ville, tu peux juste t'harmoniser avec toutes les éthérites de la ville. Donc, par contre, faut se déplacer une première fois. Ouais. Et t'auras juste à cliquer, à dire, bon bah ok, maintenant je vais aller à tel endroit, et t'auras pas besoin de t'emmerder à courir à chaque fois, à chercher. Ok, ok. Voilà. J'arrive qu'à 2 minutes, j'arrive. Vas-y, t'inquiète, ton perso me suit. T'as juste envie d'accepter toutes les quêtes là de ces morts. C'est où le mec là qui... What? Pourquoi est-ce que je peux pas... Okay, j'ai déjà pris une quête qui bug. Attendez.
Alors, là, je dois rendre enveloppe de l'informateur. Non, dur à cuire, on s'en fout. Non, moi, je veux faire cette quête, là. C'est où? Ah, c'est là-bas. C'est loin, encore. Visiter la guilde des occultistes. Allons-y. C'est à l'autre bout de la terre. Motivation. En vrai, le jeu est bien, après. Hein. C'est pas... déjà, là, c'est plutôt cool. Après, moi, vraiment, payer 13 balles pour jouer à ça, c'est... Ça me... En fait, payer pour jouer à un MMO, ça me trigger. Parce que j'ai toujours joué qu'à des MMO... Et le principe d'abonnement, déjà, ça me saoule, rien que quand c'est un truc pour ton assurance. Alors, l'assurance de ta caisse, tu payes un truc, tu vois, ça saoule. Ta carte bancaire, tu payes un truc. Alors, payer un truc pour un jeu, ça me trigger encore plus, tu vois. Erasmus. Le mec, il s'appelle Erasmus. Bon, seulement les étudiants auront compris ici. Allez, au nom de la science. Mais non, mais je veux pas de quête, par contre. Moi, je veux... Putain, je vais pas prendre toutes les quêtes, j'y prendrai plus tard. Vous inquiétez pas, les quêtes, j'y prendrai plus tard. On dirait que vous êtes des quelques du monde, on peut vous commander de nous joindre. Donc lui, ça va être le mec qui va m'apprendre les... Ça va être le mec qui va m'apprendre justement... les spells, je peux... Sort de glace pour ralentir la putréfaction des corps, des sorts de feu pour les purifier, des sorts de feu pour... Notre magie est liée à la mort, yes. Notre guilde est à la place à la sueur d'Arzanet, le temple dédié à Tal, le juge divin de l'au-delà. Bah en vrai, go, hein, moi je suis chaud. Bah vas-y, go. On va lui parler. Moi je veux rejoindre la guilde des occultistes. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Je suis occultiste. Accepté. Je prends vos ordres. Ils sont 5 et tous frères. Ils partagent entre eux l'autorité. Mais ici, c'est l'aîné qui parle au nom de la guilde. Alors, c'est nécessaire. Alors, attendez, son nom, c'est Maître Coco... Ok. Ok, donc, faut que j'aille parler à machin. C'est où, ça? Ok, ça, c'est à l'autre bout. Et ça, c'est où? Non, ça. Il est où? Il est à côté? Coco Buki, Coco Bézi, Coco... Il y a lui déjà. Ok, c'est tout ceci. En vrai, c'est cool, c'est des petits comme moi. Moi, je les aime bien. Ils sont gentils. Ah, Oplis, ça va? Tu t'en sors avec ta classe? Je sais pas si t'es encore là. Pour l'instant, je suis en train de lire tout le début du jeu, avec les... en vrai, t'es plus patient que moi. J'en ai eu marre au bout de 5 minutes. Ouais, de lire. Bah, fais-toi... Fais-toi plaisir. T'arrives dans quelle ville, du coup? J'ai pas encore vu. Mais je pense que... Ah, j'ai oublié ce que c'est. Bon, ok, bah dès que tu sais, mec, quelle ville t'es, tu me dis, et puis... D'accord? Bah, dès que je vois, je te dis. Ouais, vas-y, tranquille. À toute. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis, t'inquiète. Personnellement, je trouve cette constante confusion très amusante, blablabla. Ils sont stylés avec leur bandage sur la gueule, par contre. Tal nous aurait tué une disciple vers nous. Coco Buki. Salut à toi, mon jeune ami. Je suis Coco Buki, l'aîné de cette fratrie d'occultistes, le plus sage des cinq. Ok, d'accord. Celui qui maîtrise les pouvoirs de l'occultisme est capable de déclencher des cataclysmes de la plus grande ampleur. En vrai, je vais être pas mal. Hein. On va faire de gros dégâts. Oui, je suis prêt à descendre dans l'abîme de l'occultisme, c'est parti. Let's go! On a marqué le début de ton initiation par une épreuve pour tester la capacité. Les frelons géants, les marmottes, les musaraignes agressifs sont des créatures qui peuplent en grand nombre la plaine. On va exercer les habitudes en abordant 3 d'entre eux. Ok. On va tuer des trucs. Let's go. Avant, je vais remettre ça à la Vierge, là. Et je vais écouter les explications sur les marchés aussi. Puis après, j'irai faire ça. Yes. Bon, bah, en vrai, le jeu, là, je suis rentré dedans. C'est cool. C'est plutôt cool, vraiment. Je suis plutôt content. Faut juste que je vois ce que ça fait. Guide de jeu, ça, on s'en fout. Téléportation. Je me suis perdu, déjà, là, par contre. Là, par contre, je crois que je me suis déjà perdu. Non, c'est bon? Attendez. Ouais, c'est par là. C'est par là pour sortir. On s'en va. Le jeu est sympa. Sincèrement, je suis plutôt agréablement surpris.
La maniabilité, ça va, là, je commence à la prendre en main, c'est cool. Il y a un marchand, il y a des trucs. Il y a moyen de passer de bons moments sur ce MMO. Donc c'est vraiment plutôt cool. Bah, c'est un jeu qui est énormément détente. Ouais, c'est ça. La musique est bien, tu vois, genre vraiment, je suis dedans, là. C'est ça. C'est tranquille. Ta mère, tu m'as lâché où, toi? T'as dit quoi? Je suis paumé maintenant, je sais pas où. Je suis désolé, mec. Je t'ai lâché, je t'ai pas lâché. Je suis allé parler à des mecs, il y a des cinématiques qui sont lancées, j'ai discuté non, avec c'est eux. Bon, c'est bon, je vois où je suis. Mais ouais, en vrai, c'est vraiment tranquille comme jeu et. Le problème de ce genre de jeu, c'est que je pense que t'as tellement de trucs à faire que tu passes ta vie à faire des quêtes, quoi. Enfin, de toute façon, c'est un mémo, donc de toute façon, c'est tellement chronophage les mémos. En fait, c'est ça aussi. Ça, je vais pas me relancer à fond dans les mémos. Là, tu vois, aller jusqu'au niveau 35, je pense que ça sera bien. Puis après, on verra, peut-être que je kifferai ma race, mais. Je crois que c'est pas là qu'il faut que j'aille. Attendez. Si, c'est pas là. Mais en vrai, si je dois aller plus loin dans le jeu, le problème c'est que je vais devenir accro très très vite à ce genre de merde. Et je vais plus avoir de vie. Et ça, ça va être problématique. Après, est-ce que avoir une vie c'est important? Ça, c'est aussi une vraie question qu'on peut se poser. Et est-ce que j'en avais déjà une avant? C'est aussi une vraie question qu'on peut se poser. C'est à elle qu'il faut que je parle? Explication sur le quartier marchand. Compenser le temps perdu avec une généreuse donation. Oh putain. Tiens. Tac, échanger. Je donne une lettre de mort. Lui est méga stylé par contre. On va rattraper d'abord. Ok, d'accord. On est au marché de l'avenue des Saphirs, le quartier marchand plus actif, plus opulent. Les grandes routes du continent, même ici, la majorité du commerce maritime. Ok, d'accord. Bon, ça, après, je sais pas où c'est les mecs, les endroits dans Kozef. Ulda comme base de l'opération financière. Donc, il y a beaucoup de banquiers et tout. On peut tout acheter ici. Très, très bien. Un bijou précieux. On y aura tout dans les marchés. Ça, c'est parfait. Médicaments, accessoires, blablabla. C'est au nord. Au sud. Tu vois, en fait, Malik, j'y pense. C'est les outils, les armes. Ok, ouais, dis-moi. Ton Wisebot, il donne juste le lien vers Twitter, la page, et pas ta page à toi. Oh shit! Merci mec! Merci beaucoup! Donc c'est bien, moi maintenant, si je clique sur twitter.com, ça m'amène sur ma page à moi. Vachement cool. Y'a pas de soucis, vachement pratique. Un plaisir! Pourquoi c'est twitter.com/home? C'est. Parce que moi ça m'amène sur la page web de base en fait. Ah putain, faut que je modifie ça. Attends, je vais me le noter dans un coin. Bien joué, merci d'avoir m'avoir signalé ça. Putain, j'ai tout réparé à Wisebot et là il y a encore des merdes. Putain, c'est l'enfer. Wisebot, j'ai l'impression que c'est l'enfer H24. Je t'envoie sur Discord le lien que tu dois mettre. Merci. Tu es gentil, Chou. Tu es très très gentil. Bon, bah c'est bon, on a fait ça. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Ça, c'est remettre. Parler à Momodi. Mais non, mais attends, moi j'ai la voix de l'occultisme à faire là. Je vais lui parler, il va me redonner des quêtes. Ça, c'est le problème, c'est qu'après, je sais pas dans quel ordre faire mes trucs, mec. Est-ce que t'as une... Est-ce que tu peux m'aider sur ça? Dans les MMO, je sais jamais dans quel ordre faire les trucs. Bah, en fait... Je suis pas non plus mieux placé pour... Mais pour je pense... te dire, bah, mieux faire ça comme ça. Étant donné que je suis le premier à... Accepter des quêtes à droite, à gauche, ouais, et attends, jamais les faire. Redescends. Reviens là. Oui. Ici. Oui. Est-ce que tu t'es harmonisé avec ça? Non. Ok. Les éthérites urbaines, c'est extrêmement important, c'est ce qui permet de te déplacer dans la ville en TP. Ah sans d'accord, avoir ok. Besoin de... Voilà. Ok. Merci. Donc dès que t'envoies une, dès que tu passes à côté, elles sont représentées sur ta minimap, tu cliques dessus. Ok. Faut que j'agrandisse la TH par contre, parce que vraiment la map je la trouve trop petite. Faut que je gérerai ça plus tard. Tranquille. La musique est vraiment belle par contre, hein. Elle casse la tête à être bon au niveau des musiques. Enfin, c'est vrai que la musique des villes, des trois villes de départ, elle est très très posée. Ouais. Non, c'est plutôt sympa. Une métropole, on a beaucoup de choses à voir. Vous devez mémoriser les lieux importants si vous irez vivre ici. Ok.
travailler dur, gagner de l'argent et le dépenser. Super, j'ai l'impression d'être IRL. Oh putain. Sachant que quand il est venu les dépenser ici au salon du vivant, c'est un bar. Oui, voilà, que mec, j'ai l'impression d'être IRL quoi. La destination. C'est pourquoi est-ce qu'elle a une pointe d'exclamation rouge par contre? C'est une quête qui est pas de mon niveau. Avec les droits, tu verras. Destination garde de triage. Tout est écrit en fait. Les conditions sont pas remplies, tu te laisses. Ok, il faut. Clique dessus, ça va te dire ce qui te manque. Ok, ok. Pas de niveau 4, voilà. Et ben, let's go. Là, t'es déjà niveau 2. T'as 2 sorts, attention. Waouh. J'ai envie de tuer des gens. On va aller faire des combats. YouTube, je vous laisse ici, sinon le record va être trop long. Et puis on se retrouve pour l'épisode 3 de FF14, cette magnifique découverte. Et on va aller tuer notre premier mob, et ça va être très beau. Putain, en vrai, c'est long par contre. Ça fait une heure, mec, que je joue. C'est trop long, c'est un truc de ouf. Mais c'est trop bien, mais je vois pas le temps passer. Et là, ça va être problématique, parce que je... Voilà. Allez, abonnez-vous YouTube, des bisous, tchou tchou, prenez soin de vous. Ciao.